Tout de suite, entretien avec le pasteur Ange Aluna de l'église La Vie en Jésus-Christ. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur Ex-Jazz. Avec vous, nous continuons autour du thème l'homme riche et le pauvre Lazare. Et aujourd'hui, pour la suite, nous continuons à tirer les leçons sur cette histoire. Et la référence pour cette thématique, c'est Luc 16. 19-31, donc vous pouvez ouvrir vos Bibles et lire, de toute façon méditer en même temps que nous ici. Alors que je posais la première question au pasteur Aluna, quelles sont, on va dire, les leçons à tirer de cette histoire? Merci beaucoup, monsieur Ex-Jazz. Et comme la semaine passée, le dimanche passé, nous avons eu à décortiquer les premières leçons. Mais étant un enseignant de la parole de Dieu, il me faut faire un petit récapitulatif de ce que nous avons eu à dire le dimanche passé. Alors, il s'agit de l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 16. Le 19e verset jusqu'au 39e verset. Alors, avant de tirer les leçons, nous avons dit dans le livre de 1 Corinthiens 10 au 6e verset, la Bible dit que tout ce qui a été écrit l'a été par notre instruction, afin que nous ne commettons pas les erreurs que les anciens ont commises. Alors, ici, c'est Paul qui nous parle que tout ce que nous lisons dans la Bible l'a été écrite pour notre édification, oui, pour notre instruction, afin que les erreurs que les aînés ont commises, que nous ne le commettons plus. Donc nous devons tirer les leçons de tout ce que nous lisons dans la parole de Dieu afin de redresser nos comportements et d'avoir une ligne donnée d'évoluer et marcher avec le Seigneur. Alors, ici, dans l'histoire qui nous raconte, qui nous parle, la Bible, entre le riche et le pauvre Lazare. Alors, le riche a eu ces mots et le pauvre Lazare également. Alors, Lazare va mourir, Lazare sera déporté dans le sein d'Abraham et le riche va mourir à son tour. Il sera dirigé et il va se retrouver dans le séjour de mort. Alors, deux mondes diamétralement opposés. Et comme l'a dit M. Ex-Jazz, vous allez lire ça à la maison, au fur et à mesure que nous allons évoluer. Alors, quelles sont les leçons que nous sommes appelés à tirer? La première leçon, nous avons dit que sur cette terre des humains, nous sommes appelés tous à mourir, que tu sois d'une famille X, que tu sois, peu importe ton statut, nous sommes appelés à mourir. Donc, c'est la première leçon que nous devons retenir. Nul n'est éternel sur cette terre des humains. Et nous avons dit ceci, le livre de Genèse, chapitre 6, le troisième verset, nous parle de 120 ans de l'existence d'une personne sur cette terre. Et le psaume 90, le 10e verset, nous parle de 80 ans pour les robustes et 70 ans pour les plus faibles. Alors, et ici, le verset continue à nous dire que l'orgueil qu'il tire n'est que peine et misère. L'orgueil, c'est quoi? Lorsque nous cherchons les protections de gauche à droite, aller de gauche à droite pour chercher la protection. Protection ou pas, tu finiras ta course vers la mort. Alors, la deuxième leçon, après la mort. En fait, ces leçons, nous avons parlé de ces leçons le dimanche dernier. Ok, là je suis en train de faire un récapitulatif. D'accord, ok, Donc, d'accord. nous avons parlé de trois leçons, nous allons aborder le quatrième. Mais avant D'accord. d'en aborder à ceux qui n'ont pas pu nous D'accord, suivre, allez-y, et allez-y. nous sommes à ok. Alors, après la mort, il y a deux directions à prendre. Et selon l'histoire du riche et du pauvre Lazare, ici, nous avons le séjour de mort et il y a le sein d'Abraham. Mais dans le contexte actuellement, il n'y a plus de sein d'Abraham. Aujourd'hui, nous parlons du paradis. Donc, si Dieu t'appelle aujourd'hui, bien-aimé, toi qui me suis, et ou bien tu seras orienté, tu vas te retrouver dans le séjour de mort, ou bien tu seras dirigé vers le paradis. Alors, donc, après la mort, il y a deux directions à prendre. C'est ce que la deuxième leçon que nous avons pu retenir. La troisième leçon, alors une fois la personne qui se retrouve dans le séjour de mort et la personne qui se retrouve dans le sein d'Abraham pour le cas de l'histoire de Riche et Lazare, actuellement, et la personne qui se retrouve au paradis, il n'y a pas de liaison
entre le paradis et le séjour de mort. Nous avons dit qu'il n'y a pas une porte ni une fenêtre qui permette à quelqu'un qui est dans le séjour de mort d'aller au paradis. Mais le tout prend le départ là où, quand tu vis, et sur cette terre des humains, c'est par rapport à ce que tu entreprends, par rapport à tout ce que tu vas entreprendre, ça va te donner une direction donnée. Et c'est ce que nous avons eu à retenir, la troisième leçon. Nous disons encore ceci, nous avons dit que entre les morts et les personnes qui sont en vie, il n'y a pas de liaison. Il n'y a pas quelque chose. Quelqu'un ne peut pas ni s'adresser à ceux qui sont morts, et ceux qui sont morts également, la liaison inverse, ce n'est pas possible. C'est ce que nous avons dit, la troisième leçon que nous avons pu retenir. Et la quatrième leçon. Et la quatrième leçon, aujourd'hui, que c'est nous sommes appelés à sauver notre âme. Tout ce que nous pouvons faire, et c'est de chercher à sauver notre âme. Voilà la troisième leçon que nous La allons quatrième essayer de... leçon. La La quatrième leçon. quatrième leçon, pardon, autant pour moi, que nous allons décortiquer ce matin. Il faut sauver son âme avant qu'on continue, mais au moins aujourd'hui, il y a beaucoup, il y a des centaines de personnes qui se dirigent vers Itatolo, vers tous les cimetières pour aller rendre un hommage aux morts. Est-ce que ça, c'est mauvais? Alors, les gens qui se dirigent pour rendre hommage aux morts, aller au cimetière pour parler, et les gens, nous avons connu, il y a certaines personnes qui invoquent les morts, et les gens arrivent pour consulter les morts, soi-disant un parent qui est décédé, et on va écouter la voix de ce parent qui va vous donner des orientations. Alors, monsieur ex-jazz, la Bible est claire. Lorsque nous lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 28, le 7e verset, la Bible nous parle du roi Saoul. Quand Dieu l'a rejeté, et Dieu l'a rejeté, il n'avait plus une orientation donnée. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dira que roi Saoul va demander à ses collaborateurs, cherchez-moi une personne qui invoque les morts, quelqu'un qui peut me faire parler les morts. Et on va lui dire, en Endor, il y a une femme qui est spécialiste dans cette question. Il y a une femme qui invoque les morts et qui a la capacité de faire parler les morts. Et lorsque le roi Saoul va se rendre en Endor, et qu'est-ce que la Bible dit? Le roi Saoul s'est déguisé. Alléluia. Et il a changé des habits et il a masqué sa face. Pourquoi il a masqué? Parce qu'en Israël, ces pratiques étaient interdites. Nul ne pouvait aller demander et aller consulter les morts, ni faire parler les morts. Israël, c'est Israël, nous sommes en Afrique. Oui, mais nous sommes dans la Bible, nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, le 9e verset jusqu'au 14e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu seras entré, c'est ce que nous dit la Bible, Deutéronome 18, le 9e jusqu'au 14e. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations. Donc, les abominations, c'est tout ce que les Cananéens faisaient. Ils interrogeaient les morts, ils étaient dans la divinité. Écoute ce que nous dit encore la parole, nous continuons. Nous sommes au verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, alléluia, d'astrologue, d'orgue, de magicien. 11e verset, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits et qui disent bonne aventure. Donc, les personnes qui évoquent les esprits de mort, par exemple, tous les esprits. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser cette nation devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car c'est raison que tu chasseras. Écoute, les astrologues et les devins, mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Donc, tous ceux qui font ce service, tous ceux qui vont consulter, les personnes qui invoquent le mort, tous ceux qui, une fois devant le cimetière... On parle de deux choses différentes, pasteur Anjaluna, parce qu'aujourd'hui, 1er novembre, on n'interroge pas les morts, mais on va rendre hommage aux morts. On a vu aujourd'hui, les chrétiens vont à Jérusalem pour aller sur la tombe ou au tombeau de Jésus. On voit dans la Bible, on nous a parlé de la transfiguration, comment Élie, je pensais, Moïse. Voilà. Est-ce que vous ne condamnez pas ça? Voilà. Les autres, ils vont simplement. Est-ce que vous n'allez pas entretenir la tombe d'un de vos défunts là-bas, au cimetière? Écoutez, excusez-moi, monsieur ex-jazz,
dans les nations organisées, il y a le service de la mairie qui est là. Lorsque nous payons les droits, et la mairie est là pour entretenir les Les cimetières. défunts de votre famille, c'est la mairie qui s'en charge? Bon, écoute, dans la logique, dans cette... Bon, Si la maintenant, mairie ne le fait pas, qui va le oui, faire? bon, si je peux me rendre au cimetière, un parent qui a été décédé, je n'étais pas là, j'arrive peut-être à aller voir le cimetière là où on est enterré, ce n'est pas un problème. Mais dès que j'arrive, je commence à parler. Papa, tu m'as laissé. Papa, Non, protège-nous. vous pouvez moins aller entretenir le cimetière là. Moi, je dis non. Vous n'irez pas là Je après? n'irai pas, personnellement. Je Vous vais abandonnez vos morts là-bas? abandonner. Lorsque. Monsieur Ex-Diaz, nous allons aborder cela. Une fois Monsieur Diaz en vie, et lorsque Dieu l'appelle, il n'y a plus rien à faire. Ce corps retourne poussière. Et c'est l'âme qui prend la relève maintenant. Et donc, voilà pourquoi vous dites qu'aujourd'hui, ce qui importe, les leçons à tirer de l'histoire de Lazare et du pauvre Lazare et du riche, c'est en fait de sauver l'âme. Voilà. Lorsque l'âme est sauvée, écoutez, la Bible, l'homme est Trinité, l'homme a le corps, l'homme a l'esprit et l'homme a une âme. Maintenant, après la mort, c'est le corps repart à la poussière. Il n'y a plus rien à faire. On somme l'âme, pourquoi on doit sauver l'âme? En fait, je ne comprends pas. On est mort, l'âme. Voilà. Oui, on doit sauver l'âme parce que une fois après la mort, puisque nous avons l'homme intérieur et nous avons l'homme extérieur. L'homme intérieur, l'homme extérieur, c'est ce corps. Donc, monsieur là, monsieur Diaz, ça c'est l'organe de toucher. Monsieur Diaz veut travailler, il a besoin du corps. Monsieur Diaz veut aller en banque pour toucher l'argent, il a besoin du corps. Monsieur Diaz veut s'exprimer sur cette terre des humains, il a besoin du corps. Ça, c'est l'homme extérieur. Mais il y a l'homme intérieur à qui, un jour, qui va rendre compte devant Dieu de tout ce qu'il a eu accompli. Donc, une fois l'homme spirituel, l'homme intérieur, après la mort, l'homme extérieur, qui est le corps, va pourrir et l'homme intérieur continue le voyage. Alors maintenant, lorsque tu es en vie et que tu ne fais rien, tu abandonnes pourquoi Dieu t'a créé. Dieu a tout créé pour un but. Et Dieu qui t'a créé, tu fais autre chose. Mais qu'est-ce qu'il faut-il faire? Tu vas prendre une direction donnée. Donc pour sauver l'âme, la première des choses, c'est de chercher à connaître le Seigneur dans sa vie. Recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, ton âme sera sauvée. Parce que lorsqu'on parle de l'âme qui est sauvée, c'est le salut. Et la Bible est claire. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous sommes dans Actes chapitre 4 au 12e verset. Il n'y a le salut que dans le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom. Jean chapitre 3 verset 16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia. Quiconque qui croit ne périsse pas. Le fait de croire à Jésus, de le recevoir, tu ne périsses pas. Ton âme ne connaîtra pas la mort. Voilà le salut. Donc c'est dans le nom de Jésus. D'accord, on va faire une petite pause pour suivre cet élément que va nous proposer Tandy Mangani du côté de la réalisation. Il n'est pas seul, il est avec Arsi Landou, à qui ici nous voilà, présentons nos condoléances. Il a perdu sa cousine. Ils ne sont pas seuls là-bas, ils sont avec Raph Okemba, Jean-Michel Mapouka. Suivons cet extrait et on revient juste après. L'histoire de la presque mort de Kenneth Hagin est spectaculaire. En avril 1933, Hagin était cloué au lit. Il était malade depuis sa naissance, il souffrait d'une malformation cardiaque. Le 22 avril, son état empira. Toute sa famille était près de lui, attendant le médecin. Soudain, il ressentit une douleur fulgurante au niveau du cœur. Il était convaincu que sa dernière heure était arrivée. Je le cite. Je ne sentais plus mes orteils, ils étaient engourdis. Puis cet engourdissement envahit mes pieds, mes chevilles, mes genoux, mes hanches, ma poitrine et mon cœur. Et je me sentis glisser hors de mon corps. Je savais que je n'étais plus dans mon corps. Je voyais ma famille dans la chambre, mais je ne pouvais pas communiquer avec eux. Il se sentit alors transporté hors de la chambre et s'enfonçait ensuite dans ce qui lui parut être un puits ou une caverne. Hagin déclare que pendant la descente, il apercevait les lumières de la terre qui s'éloignaient et qu'il se trouvait enveloppé par les ténèbres. Quand il arriva au fond de la caverne, il fut encerclé par des géants de flammes oranges. Il découvrit ce qu'il croyait être les grilles de l'enfer. Il dit qu'il a été attiré de force vers ces grilles, comme un aimant. Il a pourtant essayé de résister. Il ajoute « J'étais conscient qu'au fond de ce trou, une sorte de créature m'attendait ». Je ne la voyais pas, mon regard était rivé aux grilles.
À l'instant où la créature attrapa Jean, une voix puissante comme un coup de tonnerre se fit entendre. La créature lâcha prise et Ajin se sentit propulsé vers la lumière. Grand-mère! Kenneth, t'es vivant? Je vais mourir. Non, accroche-toi. Où est maman? Je veux lui dire au revoir. Quand j'ai dit à ta mère que tu étais mort, elle s'est enfuie. Il faut que je dise au revoir à maman. Oui. Lily! Grand-mère, non! Non, laisse mon petit, pas. Non, je ne m'en ne vais pas. Pas. Non, je ne vais pas te quitter. Je reste avec toi. Oui, je ne m'en vais pas. Ne Grand-mère, crains pas. Je m'en vais encore. Je t'aime. Ajin dit que cela s'est produit 3 fois. La 3e fois, il a cru que cette expérience n'était qu'une hallucination. Mais tandis que les ténèbres l'entouraient, il fut convaincu que cet enfer était réel. Il ajoute qu'il a crié « Dieu, j'appartiens à l'Église, j'ai été baptisé dans l'eau !» Une fois encore, il se retrouva au fond du trou, face aux grilles et face à la créature. Et comme pour les 2 fois précédentes, il entendit la voix. J'ignore ce qu'elle disait, mais tout tremblait, tout vibrait, la créature vacillait. Ajin se souvient qu'il priait pendant son ascension vers le monde terrestre. « Ô Seigneur, je viens vers toi au nom de Jésus-Christ. Je te demande humblement de me pardonner mes péchés. Je veux que vous sachiez que ce poids que j'avais sur la poitrine disparut complètement. » Le docteur Kenneth Ajin a eu la chance de guérir. Il est maintenant connu à travers le monde en tant que fondateur et président de Rema Bible School. Voilà, lorsque je regarde ces images, je vois... Après, la question que j'aimerais quand même poser, il y a combien de types de morts? Bon, monsieur Exigence, nous avons 3 types de morts. Nous avons ce qu'on appelle la mort physique. Et cette mort physique, comme à l'hôpital on dit, une mort clinique, où les fonctions vitales cessent de vivre. Et cette mort physique, donc on nous parle de la séparation entre le corps et l'âme. Ça, c'est la première forme de mort. Et la deuxième mort, c'est la mort spirituelle. Cette mort se passe. N'oublie pas, quand on parle de la mort, le mot mort signifie séparation. Donc, la mort spirituelle, c'est une âme qui se sépare de Dieu. Donc, tel que M. Ex-Jazela, il n'a jamais connu le Seigneur. C'est une mort spirituelle qui est journaliste, qui est en train de faire son émission. C'est un mort vivant. C'est une prophétie? C'est pas une prophétie, c'est biblique. Okay. Non. C'est pas une prophétie. Et donc... Toute personne qui n'a pas le Seigneur, qui n'a pas connu le Seigneur, et c'est un mort spirituel. Il se promène, il peut se marier, il fait ce qu'il veut, mais c'est un mort vivant. Spirituellement, c'est quelqu'un qui est mort, parce que c'est le Seigneur qui donne la vie. Il peut être là, pasteur, il prêche, mais c'est un mort vivant. Ok. S'il y a un pasteur qui n'a pas le Seigneur, bon, ça me semble un peu peut-être, c'est peut-être possible, mais c'est il y en a beaucoup, hein, les pasteurs qui n'ont pas. Bon. C'est écrit dans la Bible, hein, c'est pas moi qui le dis. D'accord. Comme vous avez lu, je n'ai pas de problème. Alors, nous avons ce qu'on appelle la mort éternelle. Et la mort éternelle, c'est la séparation entre l'homme et l'âme, et l'âme qui va totalement se retrouver dans les temps de feu. Alors, comment on peut faire pour sauver son âme tant qu'on est encore vivant? Alors, lorsqu'on est encore vivant, hein, on doit recevoir le Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et accomplir ses œuvres. Parce que comme je l'ai dit dans Actes chapitre 4, verset 12, il y a le salut que dans le nom de Jésus. Il y a, sous le soleil, il n'y a pas un autre nom. Et Jean 3, 16, je l'ai dit, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, et ait la vie éternelle, une vie éternelle, après la mort physique et la vie continue auprès du Seigneur. Et la Bible dit encore, il dit, Jean chapitre 11, 25 à 26, que Jésus dit que je suis la résurrection et la vie. Et il continue, celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc, une âme qui va à la perdition, c'est une âme qui va connaître la mort. Et quelqu'un qui a le Christ, il ne connaîtra pas la mort. D'accord. Alors, dernière question, pasteur, nous avons suivi ces images-là. Est-ce que ça va se passer comme ça lorsqu'on va mourir? Oui. Est-ce que c'est exactement comme ça? Oui, ça c'est le témoignage de Kenneth Ajin, qui est actuellement un docteur dans le ministère. Et c'est lui qui est le président fondateur du Rema Bible School.
Et il a beaucoup écrit. Donc, quand il est décédé, il avait un mal en lui, un mal chronique, la malformation du cœur. Et quand il va mourir, et le Seigneur va l'emmener pour témoigner aux autres. Et le Seigneur va l'emmener dans le séjour de mort. Car dans le séjour de mort, il y a une similitude entre le séjour de mort et l'enfer. Et il a vu la chaleur et il était vraiment... Et il dit qu'il a commencé à déclarer « J'appartenais à une église ». Mais ce n'est pas le problème d'appartenir à une église. Mais c'est d'avoir le Seigneur en lui. Ce n'est pas le fait d'être baptisé. Oui, bon, quand on est baptisé, on fait un premier pas. Mais parce que là, il a dit que j'étais baptisé. Mais... Oui, mais il dit qu'il était baptisé. Mais n'oublie pas qu'on peut perdre le salut. Lorsqu'on reçoit le Seigneur, oui, on a le salut. Mais lorsqu'on a des agissements qui sont contraires à la Bible et on marche dans le mal, je vous dis, monsieur Exjaz, on peut perdre le salut. Donc, ce qu'il a fait, il a commencé à dire, j'appartenais à une église. Et le Seigneur, j'ai prié dans une telle église. Le Seigneur, il n'est pas dans l'église. Il a dit, non, Seigneur, moi, je suis la brebis du pasteur Aduna. Il dit, non, tu vas en enfer. Donc, voilà un peu, c'est ça. Donc, ce que nous devons retenir, et quand il a témoigné pour dire que, attention, le séjour de mort, attention, l'enfer existe. Si on ne se comporte pas bien, et lorsqu'on ne suit pas les dit l'Éternel, les recommandations bibliques, ce que nous dit la parole de Dieu, alors sachez-le que même si tu as le salut, tu peux perdre ton salut. Mais pour le païen qui n'a pas le Seigneur, alors c'est chercher à rencontrer le Seigneur et à faire de marcher avec lui. Merci beaucoup. On retient donc que tout se prépare ici-bas. Il ne faut pas attendre d'être mort pour chercher à réparer les choses. C'est un peu l'une des leçons à retenir de cette histoire du riche et de Lazare, comme expliqué dans la Bible. J'aimerais conclure. Oui, vous avez juste, il ne reste que poussière de secondes. D'accord. Et oui, monsieur Exjaz, par rapport à ce que nous avons vu, je vais dire au bien-aimé qui me suit, Dieu va te poser un jour la question, quand tu seras en face de lui, qu'as-tu fait de ta vie? Est-ce que tu seras capable de répondre à cette question? Qu'as-tu fait de ta vie? C'est une question qui te sera posée un jour devant le Seigneur. Deux, le saint d'Israël nous dit ceci. Lorsqu'il a commencé dans sa jeunesse, il dit « l'argent répond à tout ». Mais lorsqu'il a grandi, lorsqu'il a vieilli, il a compris que sur cette terre des humains, tout est vanité. Donc, ne nous approchons pas au plaisir de ce monde. Un jour, Dieu va t'appeler. Est-ce que tu te prépares après ta mort? Tout est vanité, comme la Bible dit. Alors, bien-aimé, je te dis une chose. Ésaïe 40, verset 6-7 nous dit que « toute chair est comme une herbe ». Parce que l'herbe, un jour, l'herbe va perdre son éclat, comme une fleur qui va perdre son éclat. Et tout est vanité, tout est de passage. Donc, c'est le temps, bien-aimé, d'abandonner tout ce qui est inutile. Alors, accrochons-nous au Seigneur. Il dit que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la parole de Dieu. Alors, donc, Jésus reconnaît le pain. Le pain, c'est s'habiller, ok. Le pain, c'est aussi de manger, ok. Le pain, c'est aussi d'avoir des parcelles, ok. Mais, de s'accrocher. L'homme vit de toute parole. Donc, avoir le pain, c'est bon, mais avoir marché avec la parole, c'est plus mieux. Voilà ce que je veux dire au bien-aimé qui me suit et qui est en train de laisser sa vie enrouler dans le mal et n'est pas regarder le Seigneur. Pour lui, Dieu n'existe pas, mais je t'en prie, fais face au Seigneur. C'est Dieu qui parle. Et il parle à travers ses instruments. Alors que Dieu vous bénisse, que sa grâce. Et j'aimerais que tu puisses faire cette prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. J'abandonne tous les anciens maîtres que j'ai eu à servir. Et je m'accroche à partir d'aujourd'hui avec toi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse toutes les malades. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Amen. Les amens sont faibles là-bas. Apparemment, ils n'ont pas la foi. Amen. D'accord, merci. Donc, c'était le pasteur Ange Aluna de l'Église de la vie en Jésus-Christ. Avec lui, nous voyons les leçons à tirer de l'histoire du pauvre Lazare et du riche. Une expérience tirée de Luc 16, 19-31. Pasteur Aluna, merci. Merci. C'était l'entretien avec le pasteur Aluna. Tout de suite, Instant Gospel avec Rech Moussa. Thank you.